Salut, c'est Cyril, j'espère que tu vas bien. Alors tu l'as vu, aujourd'hui on se rejoint pour parler des meilleurs livres que j'ai lus dans toute ma vie. Je t'ai fait une sélection de 7 livres qui me paraissent indispensables et qu'il faut impérativement lire dans sa vie, en tout cas avant de mourir. Et donc c'est vraiment les livres qui, moi, ont transformé ma vie, qui ont transformé ma vision de la vie. Donc je vais te livrer quels sont ces livres. Aujourd'hui, on est parti. Alors le premier, évidemment, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, eh bien, sans aucun suspense, c'est l'Éthique de Spinoza. L'éthique de Spinoza, c'est un livre que j'ai découvert aux alentours de 30 ans, même si la première lecture, je l'ai fait à une vingtaine d'années. J'ai rien compris à 20 ans, honnêtement, il a fallu attendre plus tard pour que je comprenne. Et honnêtement, l'éthique est un livre qui a révolutionné ma vie, en ce que moi, je suis un jeune qui vient d'extraction basse, dirons-nous, et je viens des banlieues, je suis quelqu'un qui a grandi en foyer, et donc du coup je suis quelqu'un qui a toujours eu un petit peu du mal avec les émotions, puisque mes émotions ont été blessées très tôt. J'étais quelqu'un qui avait du mal en fait avec la gestion de mes émotions, et quel livre peut être le plus intéressant pour quelqu'un dans l'état dans lequel j'étais que le livre qui prétend faire une géométrie des émotions et qui prétend nous aider à comprendre les passions, les désirs, qui prétend nous aider à gérer tout cela par la raison, par la rationalité. Donc c'est l'Éthique de Spinoza. C'est un livre qui vraiment a révolutionné mon existence et qui n'est pas seulement une lecture d'ailleurs, c'est pas non plus seulement un essai. Ce livre est véritablement une odyssée, ça fait 20 ans que je le lis régulièrement, que je comprends de nouvelles choses, que j'apprends de nouvelles choses. Donc c'est un livre qu'il faut impérativement que tu lises. Je te mets les liens en description parce que il y a plusieurs éditions que je t'ai conseillées. Et puis je t'ai même fait en fait une initiation à l'éthique en vidéo. Je te mets tout ça en description. Le livre suivant qu'il faut impérativement que tu lises, c'est 1984 de George Orwell. Pareil, je ne vais pas m'apesantir sur ce dont parle ce livre parce que tu auras un lien dans la barre d'infos pour aller voir précisément en fait ce que raconte ce livre si tu ne l'as pas lu. Mais c'est un livre qu'il faut impérativement lire parce que il permet de comprendre ce qu'est le totalitarisme à l'état pur, et ça permet ainsi dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui d'en saisir les prémices, de saisir les racines du totalitarisme et de prévoir et prévenir certains comportements totalitaires qui parfois se font jour, et qu'avec une lecture de 1984, vous allez pouvoir voir et comprendre avant les autres. Ça va vous donner peut-être une sensibilité plus accrue quant aux dérives totalitaires qu'il peut y avoir ici ou là dans notre société, sans dire que notre société est véritablement totalitaire, on est d'accord. Mais il y a toujours des prémices, des racines, des comportements, des travers totalitaires dans notre société, et 1984 nous permet, grâce à ce roman dystopique et grâce à toute la richesse qu'il y a dans ce roman, nous permet rapidement de prévenir les dérives totalitaires et de les voir arriver très vite et très tôt. Donc c'est pour ça que ce livre a vraiment révolutionné ma compréhension du monde, plus que ma vie, mais en tout cas ma compréhension du monde, mais ma vie si en partie, parce que il faut que vous lisiez ce livre. Allez voir les vidéos que j'ai fait déjà sur le sujet, mais si vous lisez le livre, vous allez comprendre que de toute façon, si votre vision du monde change, fatalement votre vie et vos comportements dans la vie changent. Le livre suivant que je te conseille de lire avant de mourir, c'est le Protagoras de Platon. Alors là c'est la 3e place, pas forcément d'ordre d'ailleurs de préférence dans ces 7 livres dont je te parle, mais là j'aimerais y mettre 2 livres qui sont connexes, c'est le Protagoras et le Gorgias de Platon. Pourquoi ces 2 livres ? Le Protagoras, c'est tout simplement pour comprendre ce qu'est véritablement un sophiste. C'est-à-dire que très souvent, on écoute parler sur Internet, ici et là, de sophisme, des gens s'accusent les uns les autres de sophistes. Et véritablement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce qu'est véritablement un sophiste et ce qu'est véritablement un sophisme. Et le Protagoras de Platon est véritablement intéressant pour ça, parce que ça permet de repérer justement les sophismes qui sont des faux raisonnements, qui sont des raisonnements à partir de prémices faux, qui sont des raisonnements à partir de prémices qui n'ont pas été vérifiées. Mais c'est encore un peu plus complexe que ça, les sophismes, et je vous enjoins à lire justement le Protagoras de Platon pour cela. Et le Gorgias, pourquoi le Gorgias ? Tout simplement parce que le Gorgias étudie et place une tension entre la rhétorique et l'éthique. C'est-à-dire que certaines personnes vont penser que la rhétorique et l'éthique, ça peut être conciliable. Le Gorgias de Platon nous montre qu'absolument pas, ça n'est pas conciliable. Et donc, vous l'avez compris, il faut impérativement lire le Gorgias de Platon, parce que c'est vraiment un livre qui va vous permettre de comprendre en fait que la rhétorique et l'éthique ne sont pas compatibles, et que l'éthique et l'argumentation vraie peut toujours se passer de rhétorique, que la rhétorique peut être une aide, mais que la rhétorique est aussi un outil dangereux parce que la rhétorique peut aider aussi bien les personnes qui sont bienveillantes que celles qui sont malveillantes, et en ceci, eh bien, la rhétorique est véritablement un outil à double tranchant. Alors vous allez me dire, on peut concilier l'honnêteté et l'éthique. Oui, effectivement, on peut concilier l'honnêteté, l'éthique et l'esthétique, et donc la rhétorique, hein, puisque la rhétorique c'est l'esthétique du langage et l'esthétique de l'argumentation. On peut effectivement concilier les deux, mais c'est perdre du temps en fait. En tout cas, c'est ce que prétend nous montrer le Gorgias, puisque si véritablement, eh bien, on travaille sur une argumentation saine et une argumentation vraie, on n'a pas besoin de rhétorique en réalité. Voilà. Et il y a encore tout un tas d'autres points, hein. Pareil, je te mets les vidéos en description, dans la barre d'infos, tu pourras aller voir plus précisément de quoi parle le livre. Mais véritablement, le Gorgias et le Protagoras de Platon, ce sont deux livres, deux œuvres connexes qu'il faut impérativement lire aujourd'hui pour comprendre les débats qui ont lieu dans notre société actuelle, pardon. Et puis également, eh bien, pour repérer en fait les impostures au niveau de la rhétorique. Franchement, c'est véritablement intéressant. Le livre suivant qu'il faut impérativement lire, mais alors celui-là, il faut vraiment le lire. C'est mon livre de chevet, c'est le Discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie. C'est un livre qui est très court, qui est très compréhensible, très abordable, mais c'est un livre en fait qui montre très simplement que si nous sommes les esclaves de tel ou tel système, de telle ou telle personne, ou de tel ou tel système politique, de telle ou telle entreprise, bref, si on est un esclave, c'est très souvent, c'est même tout le temps pour Étienne de la Boétie, parce que nous le souhaitons bien. C'est parce que nous sommes dans une servitude volontaire. Personne ne peut commander à quelqu'un qui refuse de céder son autorité et sa responsabilité sur lui-même. Et il y a une analyse encore plus fine. Pareil, tu auras tous les liens en description où je parle de cela. Et tu verras, c'est véritablement très intéressant. Et puis, le livre suivant, c'est le Traité de la tolérance de Voltaire. Alors, le Traité de la tolérance de Voltaire, c'est véritablement un autre sujet, mais ça prétend en fait nous rappeler ce qu'est la tolérance. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, dans notre société, tout le monde parle de tolérance à tort et à travers. Il faut tolérer ceci, il ne faut pas tolérer cela, pardon, il ne faut pas... Bref, on est plutôt dans une tolérance exacerbée où les gens confondent en fait la compromission et la tolérance, les gens confondent la soumission et la tolérance, les gens confondent la faiblesse, la lâcheté et la tolérance. Et bien, dans son Traité de la tolérance, Voltaire nous explique en quoi il est indispensable d'être tolérant, mais en quoi la tolérance a des limites, sinon la tolérance n'est plus la tolérance. Mais vous l'avez compris, la tolérance est lâcheté, la tolérance est bêtise, la tolérance est ignorance, la tolérance a des bornes, et Voltaire trace ses bornes dans son Traité de la tolérance. Donc c'est véritablement un livre qu'il faut lire si tu veux être quelqu'un de tolérant dans le véritable sens du mot tolérant, c'est-à-dire quelqu'un qui tolère telle ou telle idéologie parce qu'il a compris que ces idéologies ne sont pas dangereuses, parce qu'il a compris qu'il faut être tolérant avec les gens qui ne sont pas des fanatiques, avec les gens qui n'apportent aucun risque pour la société dans laquelle nous vivons. Mais en même temps, il faut savoir, quand on est tolérant, il faut savoir dire non à certaines choses, et il faut savoir ne pas tolérer l'intolérable, comme le dit Voltaire. Et le dernier livre, du coup, eh bien, c'est le Traité de la réforme de l'entendement. Le Traité de la réforme de l'entendement, c'est un livre de Spinoza encore. Et ce livre est intéressant parce que Spinoza est un rationaliste, vous le savez. Et dans le Traité de la réforme de l'entendement, le vrai nom d'ailleurs c'est le Traité de l'amendement de l'intellect, et bien dans ce livre-là, Spinoza nous montre comment arranger, organiser nos pensées pour savoir quelles sont les pensées vraies, les pensées où on n'est pas tout à fait sûr, il va falloir vérifier, les pensées fausses, faire la différence entre l'imagination et la pensée vraie, savoir développer une argumentation et une pensée vraie, savoir faire dans sa tête la différence entre les croyances et les savoirs, toujours douter des croyances, ne jamais douter des savoirs, ou en tout cas avoir un esprit critique face au savoir, mais ne pas douter de ce qu'on sait et douter tout le temps de ce qu'on croit. Et très souvent les gens font l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'ils ne doutent pas de ce qu'ils croient, et on peut arriver à les faire douter ou relativiser de ce qu'ils savent. Et bien dans son Traité de l'amendement de l'intellect, Spinoza nous montre comment trier nos pensées vraies, comment trier nos pensées fausses, comment les repérer dans notre tête, comment trier les croyances, comment savoir ce qu'est une croyance par rapport à un savoir, et comment gérer tout cela pour nous fabriquer une compréhension de telle ou telle situation ou une compréhension plus globale, la compréhension du monde et de ce qu'est l'être humain au monde. C'était pas le dernier finalement, il y en a encore un autre, c'est le discours de la méthode de Descartes dont je vous ai pas parlé. Je l'avais mis avant et puis j'ai sauté une ligne. Et donc le discours de la méthode de Descartes, eh bien c'est un livre qui est pareil, extrêmement intéressant. Descartes est aussi un rationaliste, hein, vous l'avez compris, j'aime beaucoup les rationalistes parce qu'ils ont une appétence pour l'intelligence, pour l'intelligibilité et pour le fait de parler à votre intelligence plutôt que de parler à vos émotions ou de parler à votre imagination. Et justement dans son discours de la méthode, eh bien Descartes prétend nous montrer eh bien, sa méthode pour penser le monde, et il nous met en garde contre l'imagination qui peut eh bien, fausser notre rationalité. Je vous donne un exemple que Descartes donne, je crois. Il nous parle de la cire, non c'est dans les méditations métaphysiques, mais si, il en parle aussi dans le discours de la méthode. Il nous parle en fait de la cire d'abeille qui est dure et qui a une certaine couleur, un certain goût, une certaine odeur. Et cette cire d'abeille, eh bien, elle est cire d'abeille. Et on va définir la cire d'abeille par les caractéristiques qu'on voit, c'est-à-dire elle est dure, elle a telle couleur, elle a telle odeur, elle a telle consistance. Seulement, si jamais on commence à approcher cette cire du feu, eh bien, les caractéristiques de la cire eh bien, vont changer. Et pourtant, ce sera quand même de la cire. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas réduire quelque chose à ses caractéristiques visibles. Donc il faut les réduire à des caractéristiques, à des dénominateurs en fait communs que l'on ne peut pas, qui ne se modifient pas en fait. Donc là ce serait plutôt les molécules, etc. Et puis Descartes nous met également en garde dans ce livre contre notre imagination qui parfois va nous faire croire que telle ou telle chose est vraie. Et en fait ce sera tout simplement notre imagination qui parfois peut réussir, si on n'est pas attentif, à nous faire croire que ce qu'on croit est vrai, alors que eh bien, il n'y a que pure spéculation dans notre esprit qui parfois, paraît à nos yeux comme vrai et qui n'est que, encore une fois, spéculation à notre esprit. Et au-delà de ça, Descartes prétend amener de la rationalité par notamment les mathématiques, hein, puisque pour Descartes, eh bien, ce sont les mathématiques qui sont les plus fiables, parce que 2 plus 2 égale 4, eh bien, c'est incontestable. Et donc, Descartes prétend amener cette méthodologie dans les sciences, et c'est une nouvelle, et même en philosophie. Et donc ça c'est vraiment très très intéressant. D'ailleurs Spinoza, en bon continuateur cartésien de Descartes, eh bien c'est ce qu'il a fait avec l'éthique dont je vous ai parlé, le premier livre dont je vous ai parlé. Spinoza prétend faire ce livre à la méthode des géomètres, nous dit-il, c'est-à-dire que Spinoza prétend nous faire une géométrie des passions, comme je vous l'ai dit. Eh bien c'est exactement ce dont parle en fait Descartes dans le discours de la méthode. Il prétend mettre des mathématiques, prétend mettre des démonstrations mathématiques incontestables en philosophie, dans la morale, dans les mœurs, mais également dans toutes les sciences, et c'est ce qu'on appellera le cartésianisme, puisque Descartes est le créateur du cartésianisme. Il y a aussi d'autres choses, vous le verrez dans le discours de la méthode, pareil, vous aurez un lien dans la barre d'infos pour aller voir tout ça. Donc voilà les livres qu'il faut impérativement que tu lises avant de mourir, les livres qui vont te faciliter la vie pour comprendre le monde, pour comprendre toi-même, ton esprit et ton être au monde. Et ces livres sont vraiment des références, et véritablement si tu ne devais lire que 7 livres, il faut impérativement que tu lises ces 7 livres dans ta vie. Ça va te faciliter la vie sur bien des choses et te permettre de comprendre le monde de manière plus pertinente que les autres grâce à ces seuls 7 livres. Alors il y a un petit bonus quand même, c'est un 8e livre que je te conseille, qu'il faut impérativement lire. C'est un livre de Amin Maalouf, c'est un essai. Et cet essai, c'est Les identités meurtrières. Alors c'est un livre qui n'est pas forcément à toute époque très intéressant, mais il est intéressant à notre époque parce que, eh bien, on parle beaucoup d'identité, d'identitarisme, on revient un petit peu sur ces notions d'identité et de nationalisme. Et justement, eh bien, Amin Maalouf nous explique dans ce livre comment ne pas se laisser enfermer dans une seule caractéristique de son identité et comment vivre la pluralité des caractéristiques de son identité d'une manière apaisée, avec pacifisme et calme à l'intérieur et à l'extérieur de soi. Et vraiment, c'est un livre qu'on devrait avoir tous à l'école de nos jours, au moins au collège, parce que eh bien c'est un livre qui nous permet vraiment de faire la paix avec nos identités et de ne pas se réduire nous-mêmes à cause d'idéologies hors de nous ou de gens dogmatiques qui voudraient nous emmener dans leur camp, que ce soit réduire son identité à une religion, à une nation, à une idéologie politique. Voilà, véritablement mettre de la nuance, de la complexité et faire de la place pour toutes les caractéristiques de son identité dans le patchwork global que constitue l'identité humaine que nous portons tous en nous. Et pour cela, ce livre est vraiment un livre indispensable à la lecture. Voilà, j'espère que tu as aimé cette présentation de livres, j'espère que j'ai pu te convaincre de lire quelques-uns de ces livres. Honnêtement, si dans ta vie tu n'aimes pas beaucoup lire, lis au moins ces 8 livres et je te garantis que tu vas véritablement avoir une pensée beaucoup plus construite, beaucoup plus pertinente et un regard sur le monde beaucoup plus pertinent et également beaucoup plus lucide. Et c'est véritablement ce dont on manque aujourd'hui. Donc voilà, je ne peux que vous enjoindre tous à lire ces 8 livres. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt, au revoir.